What's up guys, Power Junior PZD, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le Lightning Returns. Donc on va se balader dans la forêt, voilà, comme il était prévu. On va essayer de retrouver notre cher Cole et faire un petit combat easy pour pouvoir se rétablir. Parce que comme vous le constatez avec ces PV là, on va avoir un petit bruit qui va nous emmerder for life. Donc, on va essayer de pas tomber. On va ouvrir notre carte. Parce que là, il est bientôt. Donc, il est déjà bientôt 6h dans tous les cas. Donc, on va devoir retourner à l'arche. Ah là 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 là. C'est pas grave, en revenant, voilà. On va vite se dépêcher pour pas que ça se referme. Et aller directement vers la forêt. Hein, et récupérer ce dont nous avons besoin. Donc, de la sève, de l'engrais. Et donc le père de Sarah là, là on a fait presque toute la forêt, donc on devrait le retrouver dans pas trop de temps. Et au passage, est-ce que j'ai le moyen de faire une chronostase? Parce qu'en fait, vu que je vais retourner à la large, j'imagine qu'ils vont régénérer tous mes... Voilà quoi, fin de chronostase. Vu qu'après ils vont régénérer toute ma life hein, automatiquement, donc tant qu'à faire, on va faire ça. Found you. You're one of the lost Moogles, aren't you? It's true. I want to go home, but I don't know the way, Koopo. If you flew up above the treetops, you'd be able to find your village easily enough. Above the treetops, Koopo? What a splendiferous plan, Koopo. Except I'm afraid of heights, Koopo. It's all right. I'll give you a hand. Ok, ça va, le truc tout à fait normal, t'es pas trop méchante avec les mogs, ma petite Lightning. Donc on va remonter sur l'Andufara là. Et putain de merde, je perds 5% de PV, alors que déjà vu ce que j'avais, ça fait assez chier, ouais. Alors, fragilité, ensuite je te mets des attaques, d'ailleurs c'est quoi tes faiblesses toi déjà? Vulnérabilité à la foudre, ah, mais je suis bien tombé sur toi l'ami. On va te montrer que la foudre, ben ça me connaît un petit peu, tu vas voir. Et merde, j'ai retiré la foudre V2 de ce style, bordel. Et c'est pas grave, on continue. Hop là, hop là, hop là. Là, on va mettre des électro-impacts de ta vieille gueule. Allez, on enchaîne. Tu veux pas passer en choc, hein, toi. T'as pas l'air d'être trop gêné par ce que je te fais, en fait. Voilà, maintenant on remet de foudre. Hop là. Tu devrais passer là, non? Ah bah voilà. Et là, on va t'achever à l'électro-impact. Ah putain, c'est vrai que lui, quand il est en choc, il fait un truc chelou. Hop là. Allez, dégage. Crève, s'il te plaît. Hop, 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 hop. Je te mets des électro-impacts maintenant. C'est pas compliqué hein, de combattre des monstres comme ça, même s'ils sont assez chiants et qu'ils font quand même un... Il fout un petit peu la frousse quand même, hein. C'est pas pour mentir, mais... Voilà. Allez. On est bon. Allez, fais ta jolie. Toute contente. Voilà, c'est parfait. Donc du verre liquide. C'est normal. C'est un jeu. Hein. Ok, donc hop, à calculer la trajectoire du Koopo, donc c'est bon. Par contre, enfin du mug, hein, parce que moi je dis du Koopo parce qu'il dit Koopo à la fin, mais c'est un mug. Et eh bien finalement, je vais pas pouvoir m'aventurer plus loin dans la forêt, vu que les trucs verts là, enfin bleus, bloquent l'accès. Du coup, en fait, directement, c'est moi qui voulais partir dans le mauvais endroit. Bon, maintenant, je sais que c'est le village des mogs par ici. On va attaquer le monstre ou pas? Je peux essayer d'attaquer le monstre. Ce hein. serait pas fondamentalement une mauvaise idée. Allez, on va faire du fight comme ça pour le kiff. Et il est vrai quand même que les ennemis sur ce jeu ont beaucoup de vie. C'est assez chiant quand même. C'est vrai que dans tous les RPG, les ennemis ont plus de vie que
que le personnage principal, hein, c'est un petit peu le but vu comme il en tape. Mais bon, là vraiment c'est chiant, regardez sa jauge quoi. Surtout que j'ai pas vraiment de mode de prise d'expérience pour pouvoir gérer des petits mobs, etc. Donc ouais, ça restera assez chiant. Allez, passe en choc s'il te plaît. De la foudre. Hop là, voilà, c'est parfait. Putain, c'est tout. Ok. Ça me donne envie de fuir à la limite, sérieusement. Parce que comme on avait parlé du temps IRL, et c'est vrai que là, du coup ça pose problème. Vous savez quoi, on va faire une retraite et comme ça on retournera à l'arche parce que là je vois pas ce qu'on peut faire de toute façon. C'est assez useless. Allez, retour à l'arche. Fin du quatrième jour. Donc il y a 13 jours normalement pour arriver au last. Et j'en ai pas gagné tant que ça, mais je pense que là je vais gagner un nouveau jour bonus quand même avec la radiance que j'ai récupérée, ce serait vraiment probable. Et au moins je l'espère, hein, parce qu'avec le village des mocs sauvés et toutes les petites quêtes que j'ai fait aux alentours, ouais. Peut-être que on va avoir le droit à un nouveau fruit. Allez, s'il vous plaît. Dépêchez-vous de faire ce chargement, sérieux. Ils font tout ça pour me charger une map qui fait 3 mètres sur 3, quoi. C'est assez ouf. Sarah, it won't be long now. I'm coming home soon, aren't I? No, wait! A reminder from Bonavelza. It was just a mirage. God didn't want me to forget the bait he dangled in front of me when he asked me to be the savior. But the moment I realized that, I became aware of something else too. When I looked into Sarah's face, when I heard her voice and when I saw the promise of her return, I should have felt something, a surge of joy or warmth. But instead, I felt nothing inside. And strangely, I didn't care. Et donc voilà, j'ai réussi à me débrouiller donc à faire le deuxième fruit. Et pour le moment je gère, hein, parce qu'à chaque jour j'arrive à en récupérer un. Donc pour le moment ouais, je me débrouille vraiment pas trop mal. Vous voyez qu'il y a encore pas mal d'endroits où il peut y avoir des pousses de fruits. Donc ouais, je pense que je vais y arriver du premier coup, je suis trop content de moi. Alors on va voir si Hop a des trucs à nous dire. Peut-être un... Ouais, c'est bien de parler de Noël. When the Order took the reins of power, he went underground, but he didn't disappear. He worked from the shadows to help keep the peace. Ah voilà, donc il a un nouveau truc à nous dire. Ah, il veut nous parler de Noël, Mog et de Cella. Ouais, la flemme. la flemme. Ça c'est pour ceux qui connaissent pas les autres FF13 et vu qu'on va les faire, bah, on s'en fout un petit peu. Cette magnifique map. Wow, hop là. Donc on y va, on va aller à la forêt si on peut. C'est possible. C'est quoi le plus proche de la forêt? C'est le village de Gjagd, non? C'est ça je crois, hein. Ouais, ça c'est carrément dans la forêt, donc c'est ça. Allez, c'est parti. Téléportation. Enclenchement. Voilà, voilà, donc maintenant la mission ça va vraiment être de retrouver le père de Sarah là. Parce que j'imagine que ça c'est une quête vraiment primordiale, hein, pour pouvoir récupérer les légumes pour remettre sur pied complètement notre chocobo légendaire. Et avec ça, ça va nous donner beaucoup de radiance, hein, parce qu'elle a l'air vraiment très inquiète pour son père. Donc ça moi je dis c'est du business. Franchement il y a quelque chose en feuille là derrière, c'est très bien. Allez s'il vous plaît.
Voilà. Donc on est au village de Jagd. On va monter le chocobo s'il vous plaît. Voilà. Et on va afficher sur la carte l'endroit où on doit aller. Et bizarrement, ça a l'air d'être encore fermé. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah oui, mais c'est à partir de 7h. Ça ouvre à partir de 7h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va aller s'acheter du stuff. Voilà, on va s'acheter du stuff jusqu'à ce qu'il soit 7h. Ah, chef des chasseurs, il a une mission. Super. Ah, yes, well done. I heard what you did. Now you helped our hunter hopeful pass his trial. I didn't know it was for a trial. If I had, I would have refused him. It matters not. His wits and guile have made him a hunter true, and that's a fact. Here in the wildlands, our human laws pale to nothing in the face of nature's grim, unyielding certainties. He has grit and perseverance. Those are useful qualities in a hunter. Qualities you do not lack. I've heard about your exploits against the monsters out here. I am proud of my fighting skills, but it's a misplaced pride when they are set against yours. A warrior like you could serve as an inspiration to many of us. Tell me, will you help out our young hunters and be a model for them? A model? Yes, that's right, a role model, I mean. The new recruits are eager, but still wet behind the ears. They don't know what it takes to defeat a truly powerful monster. You can show them and give them something to strive for. Donc, ouais, bon, on va prendre. Hein. Il n'y a aucune quête que j'oserais refuser dans tous les cas. Why not? I knew you would agree. How about a little warm-up first? Easy pickings for the likes of you. Sure, let's do it. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire là? Cours magistral. Donc en fait le chasseur va me proposer plusieurs quêtes. Là il me dit de commencer, enfin ce que j'ai compris hein. Là il veut que je commence par faire des petits monstres. Donc c'est quoi? Ça devrait être ça hein. Attendez, cours magistral, voilà. Donc vous avez rencontré le chef des chasseurs au village Jacques. Il s'inquiète pour les nouvelles recrues parce qu'elles sont plus rusées que douées. Et il aimerait que Lightning leur montre un peu l'exemple. Échauffez-vous en tuant quelques Machira et des Anumans. Donnez 3 salamis tendres au chef des chasseurs en guise de preuve de victoire. Ok, des Machira et des Anumans. Je sais pas du tout où on trouve ça. Ça doit être les monstres de la forêt hein. Donc on suppose que c'est ça. Et bah, c'est parfait pour passer le temps. Pour passer la petite heure que nous avons devant nous. Il faut savoir gérer son temps, c'est le message caché de cette œuvre. C'est vraiment fantastique. Donc, où sont les Anumans et les machins trucs? Je vous trouverai. Je vais tous vous anéantir. Et peut-être trouver de l'engrais sur le passage. Alors, hop là! S'il vous plaît. Voilà, du chocobolil. Donc voilà les monstres, ça doit être ça. Oh, 25% de ta vie. Trop fort. Allez, combo de poison. Merde. Des attaques. Ah mais c'est des gloutons ça. C'est pas des trucs qui voulaient voir hein. C'est pas ça. J'aurais retenu les gloutons ça, le nom. J'aurais su que c'était ça. En fait les attaques légères font plus de dégâts que les attaques normales. Donc ça j'ai pas encore très bien compris le concept en fait. Mais c'est pas grave. Là je te mets des foudres. Hop là moi je te le dis, je te combo out. Je te mets d'autres attaques. Ah tu passes en choc. Et on va te... Voilà, voilà. Mais c'est bizarre parce que j'aurais bien vu ces bêtes quand même me donner du salami en fait. Ouais, pelage de glouton. Donc bon, maintenant on sait que c'est pas ces monstres là. On va continuer. Pas un truc là, non, rien du tout. Continuons pas ici. D'ailleurs, on va en profiter pour avancer vers là où on veut. Ah, voilà, là il y a de l'engrais. Alors, est-ce que ça serait ces trucs? C'est possible, hein. C'est possible que ce soit ça. Non, ça c'est des dryades. Putain, mais jamais je vais trouver ce que je veux. Et en plus, ces dryades sont assez chiants à battre. Donc bon, ça va prendre du temps. Allez hop là, moi je te combote, je m'arrête pas. Allez, allez, on enchaîne les amis. J'aurais dû faire une fragilité comme la dernière fois. Bah, c'est ce qu'on va faire, attendez. Fragilité, hop là. Là, on fait des attaques. Ça, il commence à se faire des Kagebushin. Pour ceux qui connaissent Naruto, des moves clonage. Allez, combo. Voilà, donc là, ensuite, une fragilité.
qu'on combine avec un poison. Et là c'est parti pour les combos. Allez. Et ils se soignent trop, hein. C'est oufissime. Merde, je suis planté. Des attaques légères. On continue. Hop là. J'ai compris le concept. Allez. Voilà. On continue. Arrêtez de me mettre des attaques comme ça là. On va vous mettre un poison, une fragilité. Et c'est reparti. Et à la limite on va même peut-être user d'un pouvoir parce que là vu que je suis en train de faire du fight, bah, je vais récupérer les trucs hein. Donc je pense que je vais faire une chronostase. Le temps de trouver les monstres que l'autre veut. Et on va combattre un petit peu tout ce qu'il y a dans le coin ici. Et comme ça au moins on gagnera du temps. Ce sera cool. Allez, s'il te plaît. Voilà. On va lui mettre la même. Une fragilité. Un poison. Et là, on lui fait des attaques légères. Du moment qu'il se clone pas, ça devrait être bon. Oh, il perd de la vie assez vite. C'est plaisant. Ah, bon, il était déjà mort. Voilà. Donc pour le moment, ça c'est fait. On gagne des graines d'arbres, 120 gills. Putain, mais attendez, je vais revoir c'est quoi le nom des monstres parce que là. Je suis un peu paumé. Je vous avouerai, je crois jamais avoir croisé ces trucs. Donc des Anomans et des Machila. Donc logiquement des Machila. Oh putain, si je connais un peu le Jap. Ouais, je sais pas. Peut-être des monstres un petit peu champignons ou. C'est bizarre, je sais pas. Ou insectes, peut-être les insectes. Ah, peut-être. Peut-être que c'est ça. Et j'ai oublié de faire la chronostase au passage. Voilà, c'est des Machila. Super, donc ça, on peut les combattre autant qu'on veut. Et on récupérera donc les salamis. C'est le bon plan. Et en plus, ils crèvent super vite. Voilà, c'est vraiment des petits monstres de merde. Ils se prennent des coups comme des cacas. Et voilà, je t'enchaîne, mon petit. Merde, ça c'est les régènes, je crois, non? Ouais, ça les régènes, putain. J'ai une mémoire, quand même. J'ai une mémoire. C'est plaisir à voir. Putain, merde. Bah voilà, il est mort. Vous avez vu, il leur reste un petit bout de verre. Et ce petit bout, à chaque fois, bah, c'est comme si c'était déjà la fin de leur vie. J'ai pas compris. Donc voilà, là, on est à 2 salamis tendres. Et je crois qu'il en faut 3. Donc ce qu'on va faire, c'est le pouvoir chronostase. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et on va continuer à chercher. Là, il devrait y avoir de l'engrais. Non, il y en a plus. Dommage. Dommage. Et alors, peut-être que ça, c'est. Bon, d'accord, ils m'ont tapé direct. Non mais je pense pas que ça donne. Ouais, c'est des Rafflesia carrément. Ah ouais, ils se sont même pas cassés le cul là, c'est vraiment Pokémon hein. Ils ont pas voulu chercher très loin. Rafflesia, allez hop là. Allez, stoppé. Voilà, si perfect. Des foudres même si. Je sais que... Ah si, ça te fait pas mal, ça te fait du choc. Hop là, là on fait des attaques, hein, ça fait quand même plus de dégâts. Voilà. Comme ça, en même temps, on commence à récupérer un petit peu du pouvoir. Garde légère N1, ça c'est bien, on pourra le combiner. Allez, on continue par là. Si je trouve beaucoup d'engrais en même temps, comment c'est vraiment cool. Une chocoboril. Donc ça, non, ça c'est les Rafflesia. Une nouvelle chocoboril. J'en ai plein de ces trucs, hein. J'ai hâte de voir à quoi ça va me servir. Et là non, c'est que le chemin vers la suite de la forêt où on est censé trouver Cole, j'imagine. Et aussi non, je vais pas trouver des... Il me faut mon dernier salami s'il vous plaît. Mon salami, j'en ai besoin. Demande spéciale du chef des Hunters. Voilà, Netello en personne, moi je te le dis. Des Rafflesia, on s'en fout. Ouais, y a que ça ici hein. Putain, mais avant j'en croisais v'là des singes là comme ça. Et ça y est, là ils ont fait exprès, il n'y en a plus. Zéro. J'y trouve une fois, pas deux. Peut-être que. Non, ça doit pas être ça. Hein. Je pense pas que ça donne du salami ça en fait. Hein.
Il va falloir réflexionner de cette manière-là. Qu'est-ce qui peut donner du salami, clairement? Donc, du salami, s'il vous plaît. Putain, je vais pas trouver ce que je veux. Hein. Oui, l'ange du Valhalla existe vraiment. Hop là. Et sérieusement, c'est juste un chocobo auquel on a coupé les oreilles et il est blanc et vert. Enfin, voilà quoi. Y a rien de spécial. Je m'attendais aussi à un truc de fou. Au moins qui scintille, tu vois, de toute beauté. Mais alors là, vraiment rien. Ça doit être... En fait, je suis sûr que c'est juste un albinos. Et ça doit être ça. Ça doit donner du salami, ça. Ah non, merde, cette petite bête, je suis pas sûr du tout en fait. Ça gremlin, ouais, non, ça donne pas de salami, ça. Mais c'est pas grave, ça se démonte assez vite. Allez hop là, je te mets déjà en choc. En fait, vous craignez les attaques normales. Attends, c'est ça les attaques normales. Voilà. Oui, c'est too easy for you, effectivement. Par contre, si je te remets devant le dragon, tu vas à moins faire la maline. Voilà, ok. Est-ce que on va le trouver, ce putain de dernier salami? Parce que là, c'est déjà bientôt l'heure pour aller voir l'autre. Je pense que je vais balancer une chronostase. Hein. Alors, c'est quoi? Non, c'est pas de salami, ces merdes. Les dryades, là. Zéro. Bon, bah, vous savez quoi? On va pas faire de chronostase. On va partir directement vers l'autre bout de la forêt. Comme ça, on va faire plusieurs quêtes. Et si on croise notre salami sur le passage, on le combattra. Voilà. Je chasse depuis des décennies et tadati tadata. L'autre qui parle là. Surtout qu'en plus, il m'a demandé ça justement pour que je montre bien que. Il faut user de ses muscles quand on est un chasseur. Moi je te le dis. Donc on va là. Youhou. Là, plein de chocobolil. Je vole. Donc toujours pas de salami hein, aux alentours. Ça me fait un peu de la peine. Mais je crois qu'on doit avoir à peu près 3-4 engrais. Donc logiquement, ça fera 4 légumes. Et normalement, bah, notre chocobo devrait se sentir d'attaque pour la montagne là, et aller sur les mises. Attendez, c'était par là-bas. Et normalement, on va passer. Vous avez vu qu'à partir de 7h, il y a eu... une sorte de corne de muse pour nous avertir limite. Une fois qu'on est là, il y a le chasseur costaud. Et en fait, faut continuer par ici. Parce que c'était pas là la fermeture, hein. C'était par là-bas. Il y a plein de chocoborils. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est un troll? Parce que vraiment, est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose? Vraiment. Non mais vraiment, moi je te le dis vraiment, vraiment quoi, genre. Tu vois le truc? Allez, on va pouvoir y aller. Ouais, c'est ouvert. Effectivement. Donc, non, pas des dryades. Je ne veux pas combattre des dryades. Vous êtes trop chiant. Il m'avait même pas remarqué, en fait, jusque-là. C'était le no signal. Obligé. Et sinon, il est où le col, hein? Parce que là, pour le moment, j'ai envie de te dire, je me balade, c'est cool. Il y avait un chocoboril derrière le chocoboril. Toujours, il peut toujours être dissimulé quelque part. Du salami? Non, vous n'êtes pas du salami, c'est fort dommage. Et ouais, bon, on va continuer à s'enfoncer dans la forêt. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de sève d'arbre. Hein. Enfin, de sève d'arbre en même temps, obligé. Mais bon, vous avez compris, de ici, voilà quoi, j'arrive plus à parler du tout. C'est un truc de fou. Wow. Ah ouais, mais c'est impossible en fait. Par contre, il y a des salamis là. Comment je te l'ai enchaîné le salami direct là? Je l'ai eu. Poum! Allez hop là, viens ici, salami. On va te mettre des attaques. Allez, vas-y, chocobo, aide-moi. Parce que là, ils sont quand même assez nombreux. J'ai voulu faire le malin, mais bon, tellement content d'en trouver que là, alors là, moi je te dis, on y va. Et bah, le père de Sarah là, bah, il est toujours pas là. Hein. C'est-à-dire que ici, bah, vivement, il faut avoir un chocobo en état pour aller là-bas. Hein, et d'ailleurs, c'est bah, l'endroit où il y a l'église, je crois. Bah, on va continuer à chercher. Hein. Oh, le chocobo, il est en train de se vénérer. Il a fait un combo de 4 coups de bec. Vas-y, mon chocobo. Je sais que tu peux. Ouais, vas-y, je te redonne de la vie. Moi, je suis trop sympa, je crois. Je me mets des handicaps pour tes salamis. Sinon, c'est pas drôle la chasse. Hop là. Ensuite, on passe à cette attaque-là.
Et bim! Alors, t'aimes la petite arme là que j'ai gagnée sur le chasseur de l'ombre? Hop là, on passe aux attaques normales parce que visiblement c'était plus de dégâts. Hop là. Les attaques légères. Ouais, on va mettre 30 ans comme ça. Et bim! Magnifique achèvement. The finish him. Vous avez vu, il y a une sorte de gros pixels bizarres, enfin, comme des mosaïques sur les coins où il est censé avoir un peu d'ombre et un peu de lumière. C'est un bug du jeu, je crois. Hein. C'est assez dégueulasse. Wow, presque. Wow, presque. J'arrive pas à y croire. Putain, par contre, là, il y a un chef salami. Hein. Wow. Et j'ai réussi. Ah, putain, je peux le faire. Je peux le faire. I can do it. C'est ouf. Je suis content de moi, allez. Oh, fuck. Fuck. Vous avez vu? Chef salami, wesh. Le truc. Allez. Ah. Bon, bah, ça doit pas être là. Hein. Ils vont pas me faire galérer comme ça pour rien. Hein. Attendez, je regarde la carte. Voilà, c'est bel et bien le chemin vers l'église qui doit être ici. Sinon, le village des Mog. Bon, bah, Cole doit être dans cette zone ici, hein. Donc on va revenir sur nos pas et activer une chronostase pour gagner du temps tout bonnement. Voilà. Perfect. Et en plus je crois que ceux qui sont dans le truc. Ah non. Je pensais qu'ils allaient être figés. Mais rien du tout. Ça c'était. C'était dans mon pur imaginaire. Par contre il y a le chef des salamis, vraiment il est pas content. Hein. Arrête. Wow. Qu'est-ce que tu me veux? Vas-y, va loin, j'ai pas envie de te combattre. Alors, qu'est-ce que c'est là? Mais d'ailleurs, est-ce que c'est bien 3 salamis? Parce que si c'est plus, après je vais avoir les boules. Quête secondaire. Alors, c'est où? Cours magistral, voilà. Donc, ouais, c'est 3 salamis tendres. Et normalement, bah, j'ai les 3 salamis tendres. Et colle. Attendez, parce que là, je vais vers un autre endroit. Je me dirige. Ouais. Ça doit être plutôt... En fait, moi, si Cole devrait être quelque part, je pense que c'est ici. Donc, on va déplacer ce repère-là. Là. Voilà. Je pense qu'il est là. Hop. Donc, demi-tour. Eh, mais il me lâchera jamais, hein. Je pense qu'il va falloir qu'on se le démontre. Regardez, il a même abandonné ses potes juste pour pouvoir me courser encore. Ah non, ça, il a abandonné, là. Oh, putain. Six potes l'auto. Et là... Bah non. C'est juste un coin, comme on pourrait voir d'autres coins un peu partout. C'est bizarre, normalement il part dans la forêt, Cole, on est d'accord. Et pourquoi je le trouve pas? J'ai exploré toute la forêt quand même. Je suis pas fou. Attendez, il y a l'air d'avoir un autre chemin, mais ça c'est pas le chemin d'où on vient normalement. Il me semble que oui. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout ça là. Tout ce rond là, je l'ai fait de la forêt. Ça, je l'ai fait, hein, la forêt de Jack d'ici. Ça, c'est vers le village. Ça, je suis persuadé d'avoir fait tout ça. Tout ça aussi, là, ça je l'ai fait. Pour aller au village des Mog. Mais ça, là, j'ai un doute, ici. Donc on va redéplacer notre repère. Donc, déplacer le repère. Et on va essayer d'aller dans cette zone-là. Pour aller chercher le père de Sarala. Et ça rime, lol. Allez, c'est parti. C'est-à-dire que j'ai attendu 7 heures pour pouvoir arriver à cette zone-là, mais en fait c'est juste pour aller à la zone où il y a le chaos. Mais je pense qu'on peut être capable, hein, parce que Xelosia m'a laissé un com, en disant qu'il avait des jours supplémentaires, hein, en plus du dernier jour. Donc ça voudrait dire que même sans faire les quêtes principales, on pourrait arriver à la fin du jeu. Enfin il me semble, hein. Ça me paraît d'être de toute logique. Mais bon, évidemment, on n'aura pas tous les... Genre, toutes les récompenses, etc. Peut-être une fin bizarre. Il doit y avoir plusieurs fins à Lightning Returns, ça. La vérité, du moins que j'en ai une, moi, ça me suffira. Hein. C'est pas un jeu que je vais faire pour toutes les fins. D'ailleurs, le seul jeu que je fais pour avoir toutes les fins, bah, ça a été Infamous, hein, mon jeu préféré. Et sinon, non. À la limite, pour les Dead Space aussi. Mais sinon, je fais pas toutes les fins. Hein. Faut pas abuser non plus. Et bah, je me suis encore perdu. Voilà. Le pro de la rime, it's me, BH, une nouvelle chocobolil. On les sème, hop là. Chou.
I believe. Déjà, on vole plus haut, on le remarque hein, quand même. I believe I can touch the sky. Je sais pas pourquoi ils m'attaquent, ça, qu'ils vont se faire péter la gueule quand même. Hein. Ils devraient avoir l'instinct de survie. C'est un minimum. Les pauvres petits monstres comme ça. D'ailleurs, il y a ça dans les Dragon Quest. C'est-à-dire que si vous vous rapprochez de monstres trop faibles par rapport à votre niveau, bah les monstres ils vont fuir quoi. Ça me paraît logique. Et le truc, c'est quand même qu'il va se faire péter la gueule. C'est pas parce que c'est un monstre qu'il va s'attaquer à tout le monde quoi. Ouais, mon adhéchi c'était une chocoborille comme une autre. Alors, peut-être qu'on va trouver Cole par ici. Ah, déjà là il devrait. Ouais, super de l'engrais forestier. Non, Cole n'est donc pas ici. Oh là là, c'est pas croyable. Il y a vraiment que des chiens dans le coin. Putain, mais Cole, t'es où? Bordel. Hop là, je vous esquive, moi. Hop là, je suis le tour de l'arbre pour rien. Non, je suis pas fou, j'ai fait toute la. Ah, ah, nouvel engrais forestier. Là, c'est quoi ça? Médaille de Mithril. Mais autrement, rien du tout. Donc, vous savez quoi? On va aller au village et on va faire la quête du Hunter. Ça sera déjà pas mal comme ça. Oh, j'ai trouvé. Who told you that name? Where'd you hear it? From Sarala at Canopus Farms. She told me that her father Cole left the village to collect fertilizer from the woods, but he didn't come back. And so you thought I was this fertilizer seeker? Is that what you're telling me? Is that right? You still haven't answered my question. Sure enough, but why should I give you something for nothing? I say we, you and I, engage in some give and take. You're not gonna answer me, are you? Not until you do something for me. The fact is, I am looking for fertilizer, which doesn't make me that coal fella mind. Anyway, it's a big job, and I could do with some help. Nah, it's simple enough work. Anyone can do it. I've already found the stuff. It just needs gathering. I've marked the locations with a shovel. All you have to do is dig the stuff up and bring it to me. Ok, bon bah lui, on va lui donner parce que je les ai. I've done what you asked. Now tell me who you are. Of course. I'm a man of my word and I'll tell you what you want to know. You said you are looking for Sarala's father, a man called Cole? That's right, isn't it? Now listen carefully. The Cole you seek, well, the fact is he's already dead. He is? Yep, that's right. I was the one who found him. He was attacked by monsters. I ran to help, but by the time I reached him, it was too late. I was standing here pondering how I was going to break the news to Sarala when you came along with your questions. I feared if I told you what happened, you'd run straight off and tell Sarala. She has to be told sometime. Or will you keep it a secret? Of course not. I know I can't put it off forever as much as I'd like to. Now's the time. She needs to be told the truth. Plain and simple, with no sugarcoating. I think it'll be for the best. In the long run, leastways. For the best, huh? Tell me. When you say it would be for the best, do you mean it would be the best for Sarala? Or are you talking about yourself? What do you mean? Why, Sarala, of course. She's a strong girl. If you ask me, she'll do far better without her old man to burden her. Yep, she'll be able to move on, stand on her own feet, and live her own life. All right. Well, in that case, let me tell her. You'd really do that? I'd hate to drag a stranger into this. Maybe a stranger is exactly who she needs to hear it from. You might be right. Very well. I'll leave it in your capable hands. That fertilizer you collected, it was Cole who found it. So, why don't you take it to Sarala as a keepsake? Oh, and one more thing. Give her a message from Cole. You spoke to him? Yep, just before he died in my arms. The last thing he said was, dig next to the flower. You tell her that, in those exact words. It's a hard story to swallow. Okay. Cares about Sarala. Eh ben on trouve vraiment ce qu'on veut quand on le cherche pas, hein. C'est un truc de fou. Au moment où j'avais abandonné de trouver Cole, je parle à ce type, mais vraiment pour rien du tout, comme ça.
parce qu'il a, enfin, après j'ai vu avec ses lunettes chelou, OMG, c'est quoi ce machin. Mais je trouve ça bizarre quand même, hein. Il avait pas l'air de réagir plus que ça à la mort de Cole. Cette histoire pue un peu la merde quand même, mais bon. C'est une sorte de sans-cœur bizarre ce type, j'ai pas compris son délire. Il est vraiment chelou. Ou alors c'est le doubleur qui l'a peut-être mal fait, mais ça donnait une très mauvaise impression en tout cas. Et là, je sais même pas où je dois aller. Je tourne, parce qu'en fait, finalement, je voulais chercher Cole. Et oui, voilà, je voulais parler au chef des Hunters, mais il n'est plus là. Chef des Hunters? Putain, j'aime pas les gens comme ça, là, il me donne une quête. Il a dû partir à la chasse, ce con. Ou alors, c'est plus une horaire pour lui, il doit être en train de chasser... Ouais, c'est ça, il doit être en train de chasser à ce moment-là. Et je vais plus pouvoir le trouver, maintenant. Voilà, ça me fout les boules. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une téléportation pour aller au village et avertir Sarala du décès de son père. Et c'est ce... Voilà. Non, c'est pas ça. C'est le village d'Arias. Je crois, hein. Merde. Non, c'est station de recherche. Non, non plus. Oh, merde. C'est où? Je pense que c'est plus... C'est bizarre. Il n'y a pas de spawn de téléportation. C'est quoi? On va aller au village d'Arias. Et on testera. Si c'est pas là-bas, bah écoutez, on va faire le chemin jusque là-bas, mais bon. J'ai pas compris. Je pensais que c'était un point de téléportation, l'endroit où il y avait le docteur Ghizal, ça me paraissait logique. C'est quand même le centre un peu de la map. Et effectivement, bah c'était même pas là. Et le chocobo, il est pas là? Non! Wow! Ah, il est là, ça. Et je commençais à me dire, ça, je me téléporte dans le chocobo. Faut pas déconner non plus, hein. Donc on va parler... Ah voilà, tu as une quête, c'est bien. On n'aura pas fait le chemin jusqu'ici pour rien. Ah, mademoiselle. M'appeler mademoiselle. I consider myself an expert in the culinary arts, that's cooking food to you. Comment il s'habille ce mec là? Il fait peur un peu. My true skill these many years. My master taught me his greatest recipes, but together we only made them but one time. Now the world stands on the edge of destruction, and I fear I will never make them again. I'd like to help, but about the only dish I can cook is Behemoth's steak on a campfire. What I need is much simpler than that. I require only a few small but vital ingredients. Which you can't find. Exactement. Especially in this day and age. D'accord, évidemment, hein. Quand tu vas avoir quelqu'un qui fait dans la couture ou dans la bouffe, le mec va parler français. Eh oui! C'est bien, c'est tout à fait normal. Donc des pommes d'Arias x2 et des tops des rochers. D'accord. C'est des trucs. Je n'ai aucune idée où j'ai trouvé ça. Bon, peut-être la tome des rochers, ouais, mais alors la pomme d'Arias, ouais. Super, la recette secrète, c'est 3 gelées éclatantes et 6 fleurs du clair de lune. Donc les fleurs du clair de lune, ça va. On va être partout ça, et après c'est un peu compliqué. Est-ce que vous me demandez là, est-ce que quelqu'un d'autre a une nouvelle quête? Attends, on va s'approcher. Bonjour, 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 chef Aria, je sais que tu as une quête, et sinon non. Allez, on va annoncer le décès de son père à Sarala. Ouh, le monde est joyeux. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je rentre de la chiasse. Et il y a un mouton qui s'échappe. Faites quelque chose. Sale mouton, va. Ah mais en fait il laisse se promener tranquille. D'accord. J'ai peur. Et vous laissez vos moutons un peu loin quand même, hein. Vous êtes des fous. Putain, quelle confiance aveugle. Je crois qu'on peut se barrer par là plus rapidement. La technique de Fifoux. Waouh. Ok. Prairie des vents. Les terres sauvages. Est-ce que vous avez besoin d'aide? On dirait pas. Quel plumage, waouh! Tu l'as colorié en blanc, c'est trop bien. C'est de là, waouh! Allez, s'il te plaît, faut qu'on retourne voir le docteur Ghizal. Un chien, ça ne me surprend même plus. C'est faux, je n'étais pas surpris. Là, voilà, on y est. J'espère qu'elle est là. Oh, si elle est pas là, oh, elle est là. Bonjour. Sarala,
Oh, hello. Is that fertilizer from the woods? Thanks. Does that mean you met father? I've got some bad news. Oh, no. Please, not that. He left a message. His last words before he died were, dig next to the flower. The flower? A box? My dearest daughter, if this letter has found its way into your hands, it breaks my heart. But you shall not be seeing me again. I pray that you'll forgive me, but I could not bring myself to say these words to you in person. Now, I want you to know this. The vegetables that we grow in that field are the finest in all of the wildlands. Everyone who tastes them agrees. Do you know why, my daughter? Because you are the one who tends them. It's all thanks to you. Once I am dead, the farm passes to you. It's yours to do as you please. I ask only one thing of you. You know the flower that I looked after? The one that never blooms? Please, promise me you'll look after it. Keep it safe. This is my last request to you. There will be no more after this. Farewell, my dearest daughter. Oh, Dad! Are you all right? Yes. Thank you for everything, for telling me the truth. Father stayed here on the farm, not because he liked it, but because he didn't want to leave me alone. He always wanted to leave this place and go on a journey. A journey? Yes, to find my mother. She disappeared a long time ago, but he believed she was alive, and he thought I held him back. You shouldn't think like that. But it's true. Look what he wrote in the letter. It's all about that stupid flower that never even blooms. He practically comes out and says he doesn't care what happens to me as long as his precious flower is safe. What flower? Oh, who cares? He was obsessed with it, you know? Always fussing over it. Even though it never bloomed once. What? It is. It really is. I found it. Unbelievable. Who are you? Why, who cares who I am? Behold, the Sorala Rosa, genus Muntius, the flower of legend, said to bloom once every 500 years. What? Sorala? Yes. Sorala Rosa Muntius. In the ancient tongue, it means for the love of my daughter. The legend says that any place that it blooms will be blessed with great fortune and prosperity forever. I must leave you now and write my paper before my rivals beat me to it. Cornelia is my name. And plant biology is my game. Goodbye and good luck. Sorala. He must have named you after the flower. For good luck and prosperity. Yes. Oh, Dad. Quel était ce jeu d'acteur bidon et cette situation complètement absurde. T'as la reine des botanistes qui passe comme ça dans la rue. Wow, c'est une rosa machin tout le truc qui date de 2300 millions d'années qui dit veut dire exactement ceci. Et toi, d'où tu sors? Tu sais, le truc, c'est... Ouais. Ouais, c'est normal. C'était tellement absurde que voilà, j'étais obligé de réagir à cette situation. Oh, Dad. Oh. Mais moi, je fais mieux qu'elle, quoi. Oh, Dad. No. Why you are dead? Alors, bon, on va où maintenant? On a récupéré donc pas mal de radiance, j'imagine. Hein, parce qu'elle avait l'air vraiment très triste hein, de la mort de son père. Oh là là. Ah ouais, bah du coup, il va falloir quand même que je fasse pousser mes légumes, moi. Attendez. J'ai fait tout ça pour ça? J'ai failli oublier les légumes. Allez, vas-y, fais pousser mes légumes. Ouais, fais semblant d'avoir oublié, ma petite. You can borrow my field if you like, to grow some of your own. I'm not a farmer. You'll soon get the hang of it. You just need dirt, which I've got.
And we've got the fertilizer that Father found. Oh putain, pour mettre Chocobo. Chocobo il va être content. There you go. Can you see the spots where I spread the fertilizer? Just plant seeds there, and Gazelle greens will sprout thick as weeds. Here, I'll give you your first seeds. Oh, en plus j'en avais acheté des graines de légumes. Oh, oh là là là, ça y est, on est bon là. The more greens you can grow. Go find some and bring it back here. Ok, donc Sarah là vous laisse cultiver vos légumes Gisèle chez elle à la ferme Canopus. Il vous suffit d'examiner les modes de terre de son champ pour y semer une graine de légumes. Si vous n'en avez plus, achetez-en auprès du marchand ambulant de la ferme Canopus ou ramassez-en dans la prairie des vents. Votre pied de légumes Gisèle sera prêt à être récolté 6 heures après avoir planté la graine. Libre à vous de donner votre récolte au chocobo blanc ou de vendre vos légumes pour gagner quelques gills. Ah ouais, d'accord, bien sûr. Je galère avec mon chocobo, je vais aller les vendre. Allez, on plante la graine. Et y a qu'une mode de terre. Attends, elle va en mettre plusieurs. J'ai plein d'engrais. Tu te fous de moi? Je te fous encore un peu de temps avant la récolte. Oui, bah oui, je te donne d'autres sacs d'engrais. Hein. J'en ai plein. Bon bah il faudra donc attendre 6 heures. Oh, elle a fait un cri bizarre là. C'était du fan service ou quoi le truc. Oh, oh mon dieu, je plante des graines. Je me merde au passage. On va planter donc la graine, voilà. Ça c'est fait. Ensuite vas-y, je te donne un autre sac d'engrais. J'en ai plein vraiment. Donc là, et je crois qu'on peut faire que 4 légumes par 4 légumes. Mais ça y est, là on est bon. Hein. Le chocobo il va être... Mais vous entendez ça? Les prochaines fois, je vais vous laisser entendre complètement parce que... Et j'ai vraiment l'impression que qu'ils l'ont fait pour ça, hein, c'est abusé. On va planter la graine de légumes, voilà. Et on va te donner donc un autre sac. Allez, attends. Il faut qu'il se pousse le chocobo parce qu'il me fait un peu chier. Very nice. That's good. Écoutez bien. Hein. Voilà, donc à part si j'ai vraiment l'esprit tordu, voilà quoi, hein, c'est pas un bruit que quelqu'un fait quand il plante un... si, en fait. Alors, donc ça, je peux pas mettre une graine dedans? Oui, voilà, je sais pas pourquoi ils me font... on va voir, normalement il y a plus de place hein, si on est logique. You'll have a crop of tasty vegetables waiting for you the next day. They grow fast, but it's not instantaneous. Donc là on est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que j'aimerais bien que le chef des chasseurs accepte quand même de récupérer les salamis quoi. Ou sinon ben je sais pas ce qu'on peut y faire à part attendre 6 heures que les légumes poussent. Donc en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous déjà on va arrêter la vidéo là. On aura vraiment bien avancé, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai kiffé vous la faire et j'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.